Bégonia nous a déjà raconté que le jour du bombardement, le 26 avril 1937, était lundi, jour de marché. Donc, la ville était bondée de monde. Guernica avait 5 630 habitants recensés. Il y avait aussi des réfugiés, des blessés, des bataillons, des soldats républicains basques et les gens des villages environnants, soit un total de 10 000 personnes. Autour de 4 heures de l'après-midi, les cloches de l'église Sainte-Marie commencent à sonner pour avertir la population de l'arrivée des avions. Des appareils appartenant à la Légion Condor de l'armée allemande et précédés et escortés par des avions des forces aériennes italiennes ont été employés pour bombarder Guernica pendant plus de 3 heures. Ils ont lancé beaucoup de bombes brisantes ordinaires d'entre 50 et 250 kg, des bombes incendiaires et simultanément ils ont mitraillé les gens à découvert.